Bonjour, c'est Licat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate. Nous sommes là pour une partie pour de la revanche de Harry Potter, défense contre les forces du mal. Choisis ton allié, après on mélange nos paquets. Chat, chouette ou crapaud? Reprends le chat. Ok. Je pense que je vais prendre le crapaud, moi, cette fois. Et n'oublie pas qu'il va dans ton paquet. Ah oui. Ouais, tricheuse. Et il faut mélanger celui-là. Oui. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est le Severus Rogue. Alors, une fois par tour, résolvez un effet au choix, gagnez deux éclairs ou gagnez deux cœurs. Ou bannissez un maléfice de votre défausse. Neville Landuba. Une fois par tour, si vous avez joué au moins un objet, gagnez une pièce et un cœur. Aguamanti, deux pièces et un cœur. Et enfin, Petrificus Totalus, soit on gagne un éclair, soit... On choisit un allié en jeu dans le camp adverse qui est défaussé. Alors, je vais prendre le crapaud, cette fois. T'as mélangé les maléfices, c'est bon? Honneur au perdant ou pas? Non. Ah oh, je vais me faire rétamer ce coup-ci. On va tirer au sort alors. C'est moi qui commence. Non, bah non, bah non, on tire au sort. Hein. Honneur aux dames. Ouais, ben honneur au perdant. Alors, du coup, on tire au sort. Je suis ta femme. Oui, je suis ton mari. Allez. Hop. Perdu. Comment on vient? 2, 3, 4 et 5. Crapaud. Alors, pour 4, je vais prendre... je vais prendre Petrificus Totalus. Et c'est à toi. 4 pièces. 4 pièces. Ah, pardon. Attends. Peut-être quelque chose, non? Cavinicum ou Inicum. Gagnez deux cœurs. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. T'as combien? 4. Ah, il fait 4 lui. C'est à moi. Pourquoi t'as joué 3 sorts? D'accord. C'est à moi. Mon crapaud me redonne 1. Je te mets un éclair. Et je vais prendre 4 pièces. Je vais prendre un Aguamanti. Vincent Crabbe. Une fois par tour, vous pouvez révéler la première carte de votre deck. Si la valeur est d'au moins 1, une pièce, votre adversaire défausse une carte au hasard. À toi. Un éclair. Et 4 pièces. Je suppose que tu vas prendre un livre. Oui, non, alors je vais prendre 5 bah oui. Donc un cœur. De toute façon, ouais. Et un éclair. Je gagne un cœur avec le crapaud. Et je gagne 6 pièces et un cœur. Pour 6 pièces. Je prends Cavinicum. Cavinicum, non. Pour 6 pièces, je vais prendre. 2 livres.
À toi. Alors, trois sorts, tu perds un. Si vous avez joué au moins un objet, gagnez une pièce et un cœur. Et 2, 3, 4, 5, ça fait 6 pièces. Mmh. Mmh. Protego. Ok, alors un éclair. Vous pouvez défausser un allié. Ensuite, je prends un cœur de mon crapaud et j'ai trois pièces. Je vais prendre. J'étais là du coup, parce que tu l'as mis là. Alors... Bah, parce que je t'ai mis un éclair. Oui, non, mais j'avais déjà perdu un éclair. Ah, pardon, oui, t'étais au départ. Oui. J'étais au départ. Mmh. À toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un cœur. C'est pas un objet ? Si, si. Du coup j'ai un. Ah non, mais c'est une ou. Oui, mais j'ai une ville. Ah oui, pardon. Là, t'as à nouveau 6 pièces. Mm. Alors, au Pougnou, votre adversaire rajoute un maléfice à sa défausse. Alors, 1, 2, 3. Ah ben non, t'as plus ton chat. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Je vais prendre au poumon. Oh. À toi. Ouf. Gagner un éclair. Une pièce. Il faudrait peut-être faire le ménage de ton côté, madame, là. Ça fait alors. Trois pièces. Trois pièces plus. Quatre pièces et un cœur. Hein. Quatre pièces. Vous avez la première balle. Tu défausses une carte au hasard. Mmh. C'est avec quoi que t'as fait ça là? Mmh. Comment ça se fait? Ah, parce que t'as révélé la première? Ouais. Allez, allez, allez. Ah! Bon. Alors, ça fait 5 pièces. Alors, je voudrais que tu enlèves ton chat. Et ensuite, mon crapaud. Et j'ai 5 pièces. Pour 5 pièces, je vais prendre un révélo pour 2. Et un livre pour 3. À toi. Alors, 1, 2, 3,
pièce de cœur. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Je bannis ça. On va mettre comme ça on sait que... Et du coup j'ai dit combien? 4 pièces? 1, 2, 3, 4. Flambios, vous pouvez bannir une carte de votre défausse et une de la salle de classe, gagner une pièce pour chaque carte bannie de la sorte. Donc votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. J'en ai pas. D'accord. Ensuite, un éclair et 4 pièces. 4 pièces. Hop là. Impero, gagner un éclair pour chaque allié en jeu dans le camp adverse. Alors, gagner 2 pièces. Donc du coup, à chaque fois tu, j'étais où? J'étais là? Là, oui. Là. Donc une pièce, parce que j'ai joué un objet. Gagner une pièce et un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse si vous le faites gagner 2. Mmh. C'est ça ici? Oui. Gagner une pièce. Gagner une pièce, gagner une pièce. Ah. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Attends, je vais faire ça aussi. Tu défausses une carte au hasard. Non. Ah si. Oh. Un allô moi. Non, tu ne le mets pas là, s'il te plaît. J'espère que tu n'as pas fait ça jusqu'à maintenant. Non, je n'ai pas fait ça jusqu'à maintenant. Ok. Alors, j'ai gagné un avec mon crapaud. Et tu peux me dire. Et ensuite. Pour 4 pièces, c'est la misère. Je vais prendre une perro. À toi. Alors, vous gagnez 2 cœurs, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Alors, je vois que tu as 3 sorts, donc je mets déjà le chat. Gagner une pièce. Oui, ben. Gagner une pièce. Donc, 3 avec Nevin. 1, 2, 3. Mmh. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Bon, là c'est mal barré pour moi là. Il manque juste 2 cartes. Oh là là, un bouquin. Alors, c'est bon? Tu vas défausser lui. Ensuite, j'ai mon crapaud plus 1 de Aguamenti et j'ai 5 pièces. Prends celle-ci. Donc, Sogmento, résolvez un effet au choix, gagnez 2 cœurs ou votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Ah, un protégo. Alors, 3 pièces, un éclair, donc ça me fait une pièce,
supplémentaire, étoile 2, et ça, 2 éclairs. Pourquoi ? Gagner 2 éclairs ou gagner 2 cœurs ou bannissez un maléfice. Oula. Alors j'ai 3, 4, 5. C'est ça, mon greffe-l'œil. Oh, choco-grenouille. Longtemps qu'on n'a pas vu. Alors. Révélez la première carte de votre deck. Si la valeur est de moins 4, piochez-la, sinon gagnez 2. Donc je ne pioche pas, j'en gagne 2. Ensuite, j'ai mon crapaud qui me redonne 1. Ensuite, j'ai 2 avec le livre. Ensuite, gagner un éclair pour chaque allié dans le camp adverse. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai une pièce. Et... pour l'instant, j'ai 5. Oh là 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 là. Gagner un cœur. Je vais prendre un livre. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Gagner. Pardon, pourquoi je mélange? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hop là, bah, c'est un livre. Gagner un. Oh là 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 là. Gagner une pièce et un cœur. 3 sorts, un éclair. 2 éclairs. Et 1, 2, 3, 4. Et un cœur. Alors, mon crapaud, 2 pièces et un cœur. 2 pièces de plus. Je vais piocher une carte. Alors, résolvez un effet au choix, gagnez 2 cœurs ou votre adversaire rajoute un maléfice à sa défausse. Du coup, ces maléfices de Gemino, ajoutez 2 maléfices à votre défausse et bannissez ensuite ce maléfice. Voilà, et pour 4, je prends un garde du navire, ça. McGonagall. Gagner 2 cœurs, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Donc je peux défausser ça. Gagner une pièce. Gagner un éclair. Donc pièce avec Neville. Gagner une pièce.
Défausser ça, pioche une carte. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Oh punaise. Et un éclair. Et j'ai pas fait rogue. Si tu l'as fait, tu m'as mis deux éclairs. Non. Bah si, j'étais là. Bah oui, je t'en ai donné un. Ah bah deux alors. Un. Ok. Non, super, je voulais te défausser un allié, c'est ça qui est sorti. Youpi! Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Vous ne pouvez pas piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. Waouh! Deux pièces et. Youpi! Attends, j'ai pas pris les cartes, attends, je vais mettre un cœur. De toute façon, ouais. Tu voulais la prendre ou bien? Bah non, j'ai que deux pièces. Ah, pardon. Alors, gagner 3 pièces. Rogue. Bon, j'ai être étourdi, je pense. Non. Non. Gagner une pièce. Ah, si, pardon. Je peux bannir un maléfice de ma défausse si vous le faites gagner 2. Allez. Deux pièces. Hop, donc ça faisait 5 pièces, 6. Ah non, ça ne fait pas des vies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Il n'y a plus rien. On va avoir des livres. Ouais. Et du coup, il faut que je défausse. Défausser ou mettre bannir? Ah non, bannir. Tu ramasses tes alliés aussi. On mélange tout? Oui. Et on enlève? Non. Et on peut pas enlever? Bah, y a des cartes qui le font. Mais qu'un pack enlève tout. Genre une carte, si on n'achète rien, une carte. On peut pas non. Tout enlever comme l'autre? Non. Ah, c'est ballot ça. Ah bah oui, bah sinon c'est trop facile. Tu veux quoi encore? Bah ouais, mais toi et moi on peut pas acheter 7 et 9. Ouh, t'inquiète pas que moi aussi. La dernière fois, j'ai gagné la première et tu m'as réclamé. 3, 4, 5. Alors, un éclair et 6 pièces. Quoique je prends 2 pièces, défausser, piocher, défausser, piocher, un éclair et piocher. Et mon allié, voilà. À toi. Gagner un éclair et un cœur. Non, c'est une pièce et un cœur, okay. Pardon. Tu m'étonnes. Ouais, gagner une pièce. Gagner un éclair. Mais t'as gagné un cœur. Ben pourquoi tu avances pas? Si, si, j'ai avancé déjà. Ah, tu m'en as infligé deux. Je t'en ai mis deux. Ben, il me semble bien. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça fait 3. Si je mets ça. Une troisième pièce. Mm-hmm. Je remets ça et je pioche. C'est qui, Neville? Ouais. Donc tu as une pièce et deux cœurs, comme ça? Ouais, et un cœur. Une pièce et un cœur. Un cœur. 4, il n'y a rien. Bon, là, je reprends ça. Alors, deux pièces. Deux pièces et un cœur. De toute façon, j'avais un cœur avec mon crapaud. Deux pièces. Non, je ne sers pas à grand chose, mon greffe au lait en fait. Pourquoi j'ai pris ça? Oui, deux pièces avec ces deux-là en fait. Deux. Ah, piocher une carte, puisque je suis serre d'aigle. Une pièce de plus.
Et résolvez un effet au choix, gagnez 2 cœurs ou votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Hop là. Limassus et Rukto, vous ne pouvez pas jouer d'alliés pendant ce tour. Les effets des alliés en jeu peuvent toujours être activés. Ok, et pour 7, comme j'ai un Wingardium Leviosa, il me semble, voilà. Je vais prendre le Fius Whisbees, je vais le mettre sur mon deck. Au lieu de le placer dans ma défausse. Avec mes 7. Hop. Ça veut dire quoi, maléfice que vous avez résolu? En fait, j'ai pris la carte. Bah, c'est si tu l'as dans ta main. D'accord. Et que tu le résous, en fait. Oui, mais ça veut dire quoi, résoudre? Parce que là, je peux pas jouer d'allié. Pendant ce tour, je résous rien du tout. Bah si. Si tu l'as dans ta main et que tu fais ce qui a marqué, oui, que tu appliques ce qui a marqué, d'accord, tu l'as résolu. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Gagner 2 cœurs, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse et gagner une pièce. Donc tu as 3 pièces. Hein? Pourquoi j'ai 3 pièces? Non, j'en ai qu'une. Ah oui, pardon, t'en as qu'une. Bon, t'as ton chat, c'est ça? C'est ça. Et je vais bannir une carte. Bah, ma foi. Allô? Quoi? Bah, t'as maléfique. Mais ouais, mais du coup, ça d'accord. Me sert à rien, ça, en fait. Ok, bah oui. Donc. Donc voilà. C'est bon? Et j'ai quoi? Une pièce? Ouais, bon, c'est la déche, quoi. Ok. Alors, gagner un éclair pour chaque allié en jeu dans le camp adverse. 1, 2, 3. Ensuite, gagner 2 éclairs. 2 cœurs. Et piocher une carte. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Ensuite, j'ai une pièce, je pioche une carte, et j'ai 2 pièces, je vais prendre Rictum Sampra. Gagner un éclair, si vous défaussez ce sort, gagnez un cœur. De pièces, puisque j'ai joué un objet, j'ai une pièce et un cœur. Gagner une pièce et un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse si vous le faites gagner 2 éclairs. J'ai pas 3 sorts, ça j'ai fait, ça j'ai pas, ça non. Bon, je vais prendre 2. Et il y a 5. C'est bon? Oui. Alors. Quoi? Bah, je retire les cartes. Bah, ouais. Quoi? Bah, rien.
Du coup, à chaque fois, j'ai pas de bol, ça tombe juste avant que tu pioches, quoi. Alors, révéler la première carte, si c'est 4, oui. Vous pouvez, si c'est la valeur est d'au moins 4, piochez là, sinon gagnez 2. Alors ensuite, j'ai gagné un éclair pour chaque allié dans le camp adverse. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai un Olumora. J'ai mon crapaud. Ah. Pour l'instant, c'est juste une pièce. Je vais bannir une carte de la salle. Je bannir celle-là, ça m'apporte une pièce. Je vais bannir une carte de ma défausse si je peux. Non, ah, j'ai pas de défausse. Ok, du coup ça servira à rien. Youpi. Attends. Gagner une pièce et un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse si vous le faites gagner 2 éclairs. Gagner 2 cœurs. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Gagner 2. 1, 2. Du coup, comme j'ai joué un objet, ça fait 1 et un cœur. Et 2 pièces. Alors, attends. Alors ça j'ai fait. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais bannir ça. Je vais jouer ça. Alors, fait une pièce. Du coup, j'ai joué 3 sorts, c'est un éclair. Je vais faire ça. Non. Et gagner 2 éclairs. Hey, plante pas ton doigt, oui, s'il te plaît. Regarde. Oui. Oui. Et du t'as 5 fait... pièces. Un éclair. 2 éclairs. Je gagne 2 cœurs. Je pioche une carte. Un éclair. C'est déjà si bas? Ouais. Ensuite, j'ai que 3 pièces. Donc, Tu m'as infligé 4 éclairs là? Oui. Ouais. Et du coup, mince, combien j'ai de pièces? J'ai dit 3. Bon, bah, ça va être un livre. Hein. Ah, à moins que, comme t'as pas renouvelé. Allez, allez. Hop là. Hop là. Voilà. Oh, c'est encore des trucs que à 6 ou à 7. J'ai été étourdi qu'une fois. Oui, c'est le deuxième tour seulement. Oh, ouais. 3, 5. C'est à toi.
Vous ne pouvez pas jouer d'allié pendant ce tour. Il me restait un maléfice. Oh, bah, du coup, je peux pas jouer ça. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Ah non. Alors, ah oui, non, mais donc, la défausse. Gagner une pièce et un cœur. Et gagner deux pièces. Trois pièces. Trois pièces, c'est un bon niveau. Voilà. On a un coup pour rien. Ok. Mon allié. Un éclair. Et trois pièces. Gagner deux pièces. Du coup, tu gagnes une pièce et un cœur. Gagner une pièce. Et deux pièces. Ça fait 6. Du coup, tu pourrais prendre soit deux livres, soit votre adversaire rajoute un maléfice à sa défausse et piocher une carte. Comment il s'appelle celui-là ? Bloc-Lang. Alors, il y a un locomoteur. Je peux poser les sorts que vous acquérez au-dessus de votre deck, au lieu de les placer dans votre deck. Gagner un éclair, donc c'est locomoteur, vous pouvez déplacer une carte de votre défausse vers celle de votre adversaire, piocher deux cartes, défausser ensuite une carte au choix si vous êtes serre d'aigle. Bon, alors, gagner deux pièces, et si vous achetez un sort, vous pouvez le mettre au-dessus de votre défausse. Gagner deux pièces, ah, j'ai aussi, pardon, piocher une carte avec ça. Voilà. Donc là, j'ai mis 4. Ensuite, votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Vous ne pouvez pas... activer les effets de vos alliés pendant ce tour. Gagner une pièce. Ça fait 5. Gagner une pièce. Ça fait 6. Et gagner une pièce. Ça fait 7. Je vais prendre une potion de sommeil. Et comme j'ai gagné... j'ai pas acheté de sort... Ah non, c'est un objet, bah voilà. Ça tombe bien. De quoi ? En fait, Wingardium Leviosa, vous pouvez ajouter, poser les objets que vous acquérez au-dessus de votre. Assourdiato, gagner un éclair et deux cœurs, votre adversaire. Ouh là 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 là, ok. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défense, piocher une carte. Vous ne pouvez pas piocher de carte supplémentaire pendant ce tour. Alors, gagner une pièce et un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défense si vous le faites gagner deux éclairs. Gagner deux éclairs. Un Alomora. J'ai mis l'éclair du chat. Ok. Gagner une pièce. Donc deux avec Neville. Et gagner une pièce. 5. C'est bon. C'est bon? Alors, je prends un avec mon crapaud. Révéler une carte de votre deck. Pardon. Je peux la mettre dans ma main puisqu'elle a 4. Alors, ensuite. Gagner 2 éclairs. Choisissez un allié en jeu dans le camp adverse qui est défaussé. Ensuite. Donc, je vais jouer dans l'ordre. Gagner un éclair pour chaque allié dans le camp adverse. 1, 2, 3. Ensuite, deux éclairs. 1, 2. Choisissez un allié en jeu et défaussez-le. Ensuite,
Ensuite, votre adversaire rajoute un maléfice à sa défausse. Ensuite, vous pouvez bannir une carte de votre défausse et une de la salle de classe pour gagner. Pièce supplémentaire. Du coup, je vais bannir. Qu'est-ce que je vais bannir? Je vais bannir. Tant pis, locomoteur. Voilà. Donc ça me fait une pièce en plus. Et ensuite, j'ai encore une pièce en plus. Ça fait 4. Pour 4, bon, je prends mon livre. C'est quoi ça? Ah, c'est celle que j'ai joué, oui. 1, 2, 3. Gagner une pièce et un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse si vous le faites. Gagner 2. Hein? Vous pouvez bannir un maléfice. Ah, 2 éclairs, de... oui, bah précise. Pardon. Gagner un éclair. Ah, punaise. Ouf, ça va. Je m'en tire bien. À moins que tu aies un éclair. T'as pas... Ah, si, t'as un éclair de plus. Ah, punaise, je te finissais là. Et du coup, ça... Alors, ça sert à rien du coup. Que je joue tout. Si t'as pas de pièces pour acheter, non. Et je reprends tous les cœurs de toute façon, donc ouais. Bon, ça sert à rien. Ah, punaise, j'arrivais à te faire perdre un point. Allez, c'est reparti de 1. Ouh là là, ça sent le roussi pour moi. Et c'est moi qui commence. Révélo, révélez la première carte de votre deck. Si la valeur est de moins 4, piochez-la, sinon c'est bon. Ensuite. Gagner un éclair. 5. 6, 7. Ah, j'ai pas de. Oh, j'ai pas de carte dans ma défausse. Ah, punaise. Sinon, je pouvais acheter quelque chose. Ah, oh, punaise. Bon, alors, ça fait combien de pièces? Ça fait 5 et 1, 6. Si je défausse une carte là, ça fait 6. Sinon, ça fait 5. Ouais, super, super. Non, je vais rien bannir. Et puis pour 3, je vais juste prendre un livre. Gagner une pièce et un cœur. Gagner une pièce et un cœur. Gagner 2 pièces. Pour l'instant, tu as 2 sorts, c'est ça? Est-ce que tu en as un troisième? Vous ne pouvez pas jouer d'allié dans ce tour. Bon, mais vu que je l'avais joué avant, c'est... Bah ouais. Tu l'avais pas joué à ce tour-ci? Comment ça, je l'avais pas joué à ce tour-ci? Tu l'avais joué au tour d'avant. Bah, je viens de le piocher, en fait. Bah ouais, mais tu l'appliques, du coup. Bah oui, mais j'ai déjà joué ma carte. Non, vous ne pouvez pas jouer d'allié à ce tour-ci. Donc, en fait, c'est annulé. C'est annulé? Oui. Tu me remets dans ta défausse. Okay. C'est marqué, vous ne pouvez pas jouer d'allié à ce tour-ci, c'est ça? C'est ça. Pendant ce tour. Ouais. Même si on a joué la carte avant. Oui, mais vous ne pouvez pas. C'est la carte maléfice qui est prioritaire. Du coup, ça fait 4 pièces. Je reprends.
Bon, t'as pas de regret, regarde. Je t'ai noté deux éclairs, je pouvais te défausser ton ami. Votre adversaire rajoute un maléfice à sa défausse. C'est quoi celui-là? Bannissez la première carte de votre deck. Bannissez ensuite ce maléfice. Ensuite, je pioche une carte. Un éclair. Et pour deux, un gerbe. Un éclair. Donc, je fais une pièce. Donc, un. Deux. Qu'est-ce que tu fais ton... Ah, t'hésites pour ton livre. Gagner deux pièces. Vous pouvez poser les sorts que vous acquérez au-dessus de votre deck. Oui, il n'y a rien. Non, vous n'aurez rien. Mais du coup, je vais reprendre là. Hein. C'est bon? Oui. Alors, gagner deux éclairs. Deux cœurs. Et piocher une carte. Ah, mon allié. Ensuite, un éclair. Gagner un éclair pour chaque allié dans le camp adverse. Et ensuite, j'ai trois pièces et un cœur. Trois pièces, là, je vais prendre un lire. Hein. Voilà. Oh là là là. Oh, punaise! Tu pouvais pas les avoir avant, ceux-là? Ben, je suis désolée. Hein. T'étais morte. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse, piochez une carte. C'est confundo, vous ne pouvez pas gagner plus de un éclair pendant ce tour. Alors, du coup, Grog, il me met deux, c'est ça? Attends, j'ai pas choisi encore. Ah. Gagner deux cœurs. Ah oui, pardon. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Carte de votre deck. Il faudrait que je t'apprenne une technique pour mélanger. Donc quand tu même, défausses une carte. Combien d'alliés? Trois alliés là. Bah, pourtant je me mélange comme toi. Oui mais en fait je t'apprends. Ouais, on fera d'une autre façon là parce que j'ai l'impression que c'est pas trop efficace. Toi. Un Alomora qui s'en va. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Notre Alomora. Rame de cœur. C'est bon? Oui. T'as pris deux cœurs? Non. Alors, défausse rogue. Notre adversaire. Non, tu viens de mélanger là? Ben oui. Une pièce, ça me sert pas. Donc la meilleure technique quand tu sais pas trop mélanger, c'est de faire ça. Bah, je fais que ça, regarde. Oui, mais... C'est comme toi, depuis tout à l'heure, j'y suis. J'y peux rien. Essaye de faire comme ça, tu verras, ça marche mieux. Jusqu'à présent, tu mélangeais comme moi. Oui, mais je me... Oui. Je sais pas, qu'est-ce que... Ouais. Vous ne pouvez pas jouer d'alliés pendant ce tour. Bah, tu les as tous joués. Non, il me reste le champ. Une fois par tour, pour chaque maléfice que vous avez résolu, gagnez un éclair, un cœur. Vous pouvez révéler la première carte de votre deck. Votre adversaire défausse une carte. Au hasard. De quoi? Défausse une carte au hasard. Ah, ça serait bien si c'était le maléfice. J'ai un peu de chance. Ça tourne un peu là. Gagner une pièce, un cœur. Parce que là, pour l'instant. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défense. Oh, punaise. Si vous le faites, gagnez deux.
Gagner une pièce. Gagner un éclair, une pièce, un cœur. Gagner une pièce. Et du coup, le long du bas, gagner une pièce. Vous ne pouvez pas gagner plus d'un éclair pendant ce tour. Bon, on va gagner un éclair, ouais. Et ensuite, bon, j'ai mon crapaud. Je reprends un point de vie. Je gagne deux. Je pioche une carte. Gagner un éclair pour chaque allié dans le camp adverse. Donc, t'as pas le droit de les jouer. De quoi? À cause du maléfice. Oh, punaise! Ok, youpi, bon, c'est bon. Gagner une pièce, un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défaut si vous le faites gagner deux. Deux éclairs? Oui. Je vais demander de préciser tout à l'heure, s'il te plaît. T'as deux sorts? T'as trois sorts? Non. Tu défausses une carte. Pourquoi? Au hasard. Non. Avec crabe. Ah, si vous défaussez ce sort, gagnez un cœur. Alors, gagner 2, vous pouvez poser les sorts que vous acquérez au-dessus de votre deck. Du coup, j'ai joué un objet, j'ai une pièce de long du bas, 1, 2, 3, 4. Gagner 2. Gagner deux. Non. Six, huit. Du coup, je peux la mettre dessus. C'était pas un sort? Vous pouvez poser les sorts que vous acquérez au-dessus. Et c'est quoi que tu as pris là? Ah, machin rien de toi. Assurdiato. Descendo. Alors. Vous pouvez bannir une carte de votre défausse. Et une de la salle de classe. Voilà. Ensuite, je récupère un avec mon crapaud. Combien il reste de cartes là? Ah, ok. Alors, gagner 2 ou votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Je vais te faire rajouter un maléfice. Vous ne pouvez pas jouer plus de 2 sorts pendant ce tour. Un éclair. Et c'est tout, malheureusement. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse, piochez une carte. Un Alohomora. Un deuxième Alohomora. T'as fait le chat? Oui. Gagner un éclair
Et de cœur, votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Gagnez de cœur, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Juste quand t'allais piocher ta défausse. Ouh, bon. Et pour deux, bah rien. J'ai pas joué d'oubli. Gagner avec mon crapaud. Notre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Piocher une carte, gagner deux éclairs, deux cœurs et piocher une carte. Et pour trois, l'Omora, je prends un livre. Gagner un éclair et une pièce, un cœur. Gagner une pièce, un cœur. Vous pouvez bannir un maléfice de votre défausse si vous le faites gagner deux éclairs. Bon, on sait où est la chance cet après-midi. Tu m'as mis deux éclairs déjà ou pas? Oui. Ah. Deux et un. Non, mais je t'en avais mis un déjà. Donc j'en mets deux, c'est ça. Gagner deux cœurs. Vous pouvez bannir un cœur de votre main ou de votre défausse, mais ça ne m'intéresse pas. Gagner deux pièces, vous pouvez poser les sorts que vous acquérez. Gagner un éclair, une pièce, un cœur. Ça, je l'ai fait, le crâne. Je ne sais pas. Toi que 5 pièces. Oh pardon. Bah. Ok. Alors. Bon, gagnez deux éclairs. Choisissez un allié dans le camp adverse qui est défaussé. Je vais faire lui, je crois. Ouais. Ensuite, j'ai un cœur dans mon crapaud. Je gagne deux pièces et un cœur. Et quatre pièces, ça fait 6. Deux pièces, tant pis. Et je vais tenter. Oh, ok. Bon, c'est une pièce. Est-ce que j'ai des maléfices? Youh, j'en ai deux. Ah bon, bah le vide, non.
l'as déjà fait ? Bah non. Si, si, tu l'as fait au début. Avec en même temps que... En même temps que le chocobondru. Oh. Bah oui. Après, si tu veux, tu t'en rajoutes 6, hein, mais bon, ça va se voir après. Hein. Alors, donc, gagner une pièce et un cœur. C'est bon ? Oui. Gagner un éclair et deux cœurs, votre adversaire ajoute un maléfice à sa défausse. Ça, j'en ai pas. Gagner une pièce. Gagner une pièce. Et j'ai joué trois sorts, ça fait un éclair. Un éclair ? Oui. C'est bon ? 2, 4, 6. Alors, vous pouvez bannir une carte de votre défausse et une de la salle de classe. Et rajouter une pièce pour chaque carte défaussée. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 9. Ah, et puis Dumbledore. Je... Alors, 2 et 1, 3. Alors, je crois que je vais réfléchir un petit peu d'abord. Donc j'ai eu 2 grâce à ça, 4, 6 et 7. Je vais faire ça, piocher, révéler la première carte de votre deck si c'est supérieur à 4, piocher là, sinon gagner 2. Et 2 moins 4, oui. Donc je gagne 2. Je pioche une carte parce que je suis serre d'aigle. Bannissez la première carte de votre deck et bannissez cette carte. 4. Je peux 4, 5, 6, 7. Je peux encore piocher une carte. Ok. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai pas le choix. Je prends McGonagall. Oh punaise. Aïe 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 aïe. Je suis mort. Oui, tu es mort. Allez. Bon. Bien joué. Bah, j'ai eu de la chance. Non, pas trop moi. Bon, j'espère que cette partie vous a plu. Elle a duré un peu plus longtemps que la dernière fois. Pas pour ça que j'ai eu plus de chance. Je vous dis à bientôt pour une autre partie de Bataille à Poudlard ou Villenous peut-être. À bientôt. Je vais perdre là.